Émilie lit en réponse à Émilie qui nous lit aujourd'hui Théophile Gautier. Je vais lire du Rimbaud. Hors sujet. J'aurais pu lire du Gautier, je n'ai pas trouvé Émaux et Camées, donc je lis le livre que je trouve, à savoir, ça commence par elle est retrouvée, qui, quoi, qui, quoi. Émilie est retrouvée? Alors je te reprends, il s'agit de l'éternité, hein, réponse, puisque c'est le titre du poème, donc on a déjà la réponse quelque part, retrouver quoi? Oh, on ne sait pas. Alors, l'éternité, elle est retrouvée, quoi? Bah. C'est un quiz idiot. Bah, forcément l'éternité, puisque la réponse est dans le titre. C'est la mer, aller avec le soleil. Âme, petite Émilie, âme. Âme sentinelle, murmurons l'aveu de la nuit si nulle et du jour en feu. Des humains suffrages, des communs élans. Là, tu te dégages et Émilie, la libre Émilie, et vole selon. Puisque de vous seul, braise de satin, le devoir s'exhale sans qu'on dise enfin. Là, pas d'espérance, nulle orieture. Science avec patience, le supplice est sûr. Elle est retrouvée? Quoi? Émilie? Ben non, l'éternité. C'est la mer, allez, avec le soleil. Écrit en mai 1900, pas 1900, en mai 1872 par Arthur Rimbaud. Ça fait partie de ces derniers vers qui ont été retrouvés. Et donc, retrouver quoi? Je ne vais pas répondre, à toi de répondre. L'éternité, évidemment, à bientôt.